Mais tout d'abord, revenons sur le coup d'envoi aujourd'hui du bac 2022 dans la région. Près de 35 000 candidats ont passé l'épreuve tant redoutée de philosophie dans un contexte de chaleur exceptionnelle. Le ministre de l'Éducation nationale a appelé les centres d'examen à la plus grande vigilance. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Même pas le temps d'avoir chaud, après une heure d'épreuve, ces candidats sortent déjà. On n'a pas vraiment attendu qu'il fasse chaud, on est sorti avant 10 heures, donc ça va. Ça va. Je pense qu'après, ça va souffrir un peu et commencer à faire chaud déjà dans la salle. Ça allait, on n'avait pas à se plaindre, les salles étaient bien aérées, on n'avait pas trop chaud, ça allait. Les autres ont anticipé. En plus des trousses, crayons, un objet indispensable, la bouteille d'eau. Même si le bachelier version 2022 est plutôt zen. J'ai pas eu trop chaud dans la salle, ça s'est bien passé. Ça va, ça va. Plus chaud pour répondre aux questions ? Ah ouais, bon, c'est de la philosophie, je suis pas un professionnel, mais on verra le résultat, je pense que ça s'est pas trop mal passé. Je stresse pas vraiment, j'étais assez confiant, bon, j'avais assez révisé, donc ça va, mais pour ce qui est de la chaleur, ouais. Hier soir, il faisait assez chaud, c'était difficile pour dormir, mais ça va. Il faut dire que dans ce lycée, tout a été fait pour aider les élèves, point d'eau dans les couloirs notamment. Nous, là, c'est même pas encore 11h, il fait déjà presque 35 degrés, donc... L'eau fait du bien à tout le monde. Les candidats doivent pouvoir composer dans de bonnes conditions. Il y a aussi des ventilateurs, mais pas que. Alors, le travail a commencé très en amont par l'identification des salles les moins exposées aux fortes chaleurs, d'abord, pour accueillir les candidats dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, compte tenu donc, de cet épisode caniculaire, nous avons procédé à l'ouverture des salles très tôt le matin pour faire rentrer l'air frais. Finalement, savoir si la liberté consiste à n'obéir à personne est secondaire, tout comme la chaleur. À 18 ans, l'essentiel est ailleurs. Je suis célib, les gars. Arrête!